Eh bien, salut à tous, c'est Blue et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PS4. On se fait du mode online et j'en profite pour faire deux choses dans cette vidéo. La première, c'est tester les derniers personnages que vous m'aviez demandé de tester. Donc, entre autres, Gogeta Super Saiyan 4, il y aura sûrement aussi... Ah merde, il m'attaque. Du Namek avec Piccolo, Nail et enfin Petit Trunks et Goten. C'est les derniers personnages qui sont revenus dans les commentaires. Avec la connexion, c'est vraiment difficile de jouer. Comme vous pouvez voir, tous mes coups en fait arrivent à retardement sur le personnage d'en face. Et du coup, les trois premiers en fait n'ont aucune influence, on va dire, sur le joueur adverse. Et c'est super chiant. Oh, j'ai été déverrouillé. Ok. Allez. Ok, c'est bon. Je le tiens très fort, Gogeta Super Saiyan 4. Très très fort. Oh putain. Ok, à mon tour. Yes. Je te tiens, mon pote. Oh non. Il est parti trop loin. Ah, dommage. C'est trop dommage. Il a réussi à repasser. Allez. Ah, j'ai avantage sur... Oh, dommage, j'ai pas chargé au maximum. Ça, je savais pas. Le Big Bang Kamehameha, apparemment, faut vraiment le charger au maximum. Allez, Big Bang Kamehameha poisson. Oh, les dégâts monstres que je lui ai mis, laissez tomber. Donc oui, premier truc dont je vous parlais, je teste le dernier personnage. Et enfin, le dernier... Ouf, là j'ai échappé belle. Et enfin, le dernier point, j'aurais dû déverrouiller, dont je voulais vous faire part, je vais y arriver. C'est que demain, dimanche 5 février, si je ne me trompe pas, entre 17h et 19h heure française, je vous invite... Ah, victoire. Bon, j'allais lui mettre un super caméra dans la tronche. Je vous invite en fait à me rejoindre sur le mode online du jeu. Je vous redirai de toute façon sur Facebook et Twitter, mais ça va aller vite. Demain, c'est déjà dimanche en fait. Très fort que j'étais à Super Saiyan 4, j'ai bien kiffé là de jouer. On va tester un autre personnage. Mais oui, je vous invite à me rejoindre sur le mode online et on va partager pendant 2 heures le jeu. Faire quelques combats online ensemble, ça peut être cool, je pense. Histoire de parler et puis enregistrer une nouvelle vidéo qui sera diffusée, je pense, dans la semaine. Alors, j'ai pris Piccolo, comme vous pouvez voir, dans sa forme la plus forte au niveau stat. Je me suis pas fait chier, là, cette fois-ci. Oh, putain. Allez, on va se débarrasser de lui en premier. Ah, oh, il m'a évité. Hop là, dans les dents. Yes. Il va pas faire long feu celui-là. Non. Oh, le perfect block qui fait mal. Dur. Piccolo, j'ai jamais joué. Du coup, je sais pas du tout ce qu'il a comme attaque. Honnêtement. On a quoi? Grenade infernale. Ah, ça c'est bien. Makenko Sapo. Coup de pied sonique. Grenade lumière. Alors, grenade lumière, c'est ce que j'ai fait. Coup de pied sonique, ah oui c'est cool. Il me semble que Gohan l'a aussi celle-là, non? Gohan du futur, si je me trompe pas. Y'en a quoi d'autre? Kaikosen, ok. On va tester la grenade infernale. Ouh, j'ai évité de justesse. Je me suis téléporté au bon moment là, parce que sinon, j'allais me prendre la super boule éclipsante de boue. Ok, alors attendez. Grenade infernale. Allez. Voyons voir comment ça marche. Oh, que c'est puissant. Oh, que c'est puissant. Le Vegito a fait du bon travail aussi. Il s'est débarrassé de boue super rapidement. Victoire. Ok, niveau sup. On va passer à Nail.
Ok, on teste Nail cette fois-ci. Avec nous, on a Trunks du futur et en face, ouh, il y a un Goku Super Saiyan divin. Super Saiyan Blue plutôt. Et un personnage custom. Alors, on va s'occuper du Super Saiyan Blue en premier. Du moins, on va essayer. Pour me rejoindre sur le mode online, ça sera dans Matchmaking d'Ami. Et ah merde, et ça sera les matchs avec l'imitation. Matchmaking d'Ami, match avec l'imitation, et vous recherchez ma salle. Et une fois que vous serez tombé dans ma salle, eh ben on lancera les combats. Ça sera peut-être du 2v2, peut-être du 3v3, je sais pas encore. Waouh. Ça, je me suis téléporté au bon moment avec la technique d'évasion, mais il m'a quand même eu, je sais pas trop comment. Goku est vraiment fort. Douane, mec, c'est quoi? Oh, d'accord. Waouh. Ah, trop court. Cette fois-ci, je l'ai eu. Oh, ah, ça fait pas de dégâts, trop dommage. Ok, le combo fait assez mal une fois qu'il est bien placé. Ok, ça s'est évité. Oh, joli cette attaque spéciale. Ah, mais je crois que une forme de Piccolo là aussi. Oh, il dort le Goku là. Ah, il a eu un problème de connexion, d'accord. Marche ou crève. C'est quoi cette attaque? Ah, intéressant. C'est un boost apparemment. On va tester. Ah, je peux pas utiliser la technique d'évasion. Ah, j'avais pas assez d'endurance, d'accord. Est-ce que je peux l'envoyer balader et aller le rechercher? Non. J'aurais essayé, mais on peut pas. Dommage. Trop loin. Je vais pas y arriver. Ah, trop loin encore une fois. Je teste, hein, c'est la première fois que je joue. Au début, je savais même pas qu'il était dans les personnages. Vous me l'avez dit dans les commentaires et du coup, je suis allé voir et effectivement, il y était. J'étais pas sûr que je pouvais le sélectionner en plus. Je vais pas vous mentir. Ok, alors lui, il est réveillé. On va tester comme une attaque spéciale. Flash mystique. Ah oui, elle est très forte. Par contre, il faut que l'ennemi soit au corps à corps. Je m'en souviens, d'accord. Et super vague différente. Celle-là, tout le monde la connaît. On va terminer celui-là. Bah, Trunks a terminé pour nous. Il reste 30 secondes. On va tester le super flash mystique. Ah, et c'est dans le dos. Ok, c'est au corps à corps et dans le dos. Ben, j'aurais galéré avec Nail. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je joue, donc donc je savais pas du tout comment s'organiser ces attaques. Allez, reviens ici. Boum. Ah, j'aurais bien aimé coupler avec la dernière attaque spéciale. Malheureusement, j'ai pas réussi à le poser. Là, là. Oh, il est redescendu. Ok, bon, c'est une victoire. J'ai fait n'importe quoi avec ce personnage. J'avoue. Je pense qu'il est très fort si vous savez bien le jouer. Là, j'ai découvert. Je le trouvais assez puissant, bizarrement. Mais Piccolo est pour moi un petit cran au-dessus. Maintenant, on va tester les gamins. Alors, petit Trunks contre Thales. Voyons voir ce que ça donne. Ça risque d'être dur. Cette version de petit Trunks avec la parka, c'est la version la plus puissante normalement. Il y a deux versions, deux uniformes. Ah, loupé, dommage. Oui, il a l'air de bien jouer le mec en face. Putain, il s'est protégé, il fait chier. Non, ça va être dur. Là, honnêtement. Oh non. Ok, j'ai eu. D'accord, j'ai compris son truc. Il essaye de faire la super garde, en fait. Voilà, exactement. J'en étais sûr de ça. Il essaye depuis tout à l'heure, en fait, de me poser des super gardes. Histoire de me briser l'endurance. Ok, on va le laisser nous attaquer un petit peu. Hop là, dans la gueule. Je recharge l'endurance. Encore, putain. Ça, c'est chiant à chaque fois qu'il me pose des super gardes. On va faire attention.
J'aimerais bien me transformer en Super Saiyan, le problème c'est que j'ai pas assez d'endurance là. Hop, pas d'endurance de ki, pardon. Parfois j'en dis des conneries. Ok. Il a pensé que j'allais me téléporter derrière lui. Et pas du tout. Par contre là, c'est parti. Boum. Super Saiyan. Allez, ça rigole plus. Ah ! Trop dommage. Allez, c'est bon. Viens par ici. Ça, c'est dur avec la connexion, je vous jure. Je vous jure, c'est la galère quand même. Hop là, dans ta gueule. On a quoi d'autre comme attaque spéciale? Parce que depuis tout à l'heure, voilà, j'ai spammé la même attaque. Enfin, je la spammais. Oh, elle est jolie celle-là. Je faisais en sorte de pas me prendre trop de dégâts. Non. Oh oui, non. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Je le tiens. Reviens ici. On n'est pas fini avec toi. Oh, comment il a réussi? Alors là, comment il a réussi honnêtement à me poser le stamina break? Non, 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 non. Ah, j'ai perdu quoi. Mais j'aimerais bien savoir comment il a réussi à poser la super garde alors que j'étais en plein milieu d'un combo. Normalement, vous pouvez pas poser une super garde en plein milieu d'un combo. Ah, c'est bizarre. Mais en tout cas, il m'a bien éclaté là sur la fin. C'est dommage. Un stamina break et j'ai perdu. Puissant à l'aise sur le combo de fin là. Bien joué à lui. On va tester Goten maintenant. Alors, Son Goten contre Whis. Oh putain que ça va être dur. Là, ça risque d'être difficile. Je pense que si je me prends un seul ulti de Whis, il me défonce en un coup, je pense. Est-ce qu'il va me laisser recharger un petit peu mon énergie? Oh oui, merci. Il est sympa, il est fair play. Il va me laisser me transformer en Super Saiyan. Le mec joue bien en face, honnêtement. Allez. C'est bon? Ok, c'est bon. Je voulais pas non plus l'attaquer sans qu'il me dise... Enfin, je voulais pas l'attaquer en trade, surtout après qu'il m'ait laissé recharger mon ki et me transformer en Super Saiyan. Ça aurait pas été fair play de ma part. Alors on a quoi comme attaque? Kamehameha, charge, c'est quoi ça? Oh, joli! Oh, le perfect block sur le Kamehameha qui fait mal. Quand je vous disais qu'il jouait bien, le mec en face, c'est... On a quoi comme attaque ultime? Super Kamehameha, ok. Ah, attendez. Non. Oh, j'ai évité de justesse. Merci. Oh, ça va être dur là. Oh, ce qui me met. Allez. Allez. Non. Comment ça, il a pas été connecté, mon Kamehameha? Ok. La charge est passée. Yes, je l'ai eu. Oh oui, le stamina break qui est passé. Bon maintenant. Ah par contre j'ai pas eu le temps. Vu qu'on était derrière un clash, j'ai pas eu le temps après de l'envoyer balader. Encore un... Il joue bien, encore une super garde. Oh putain, regardez la distance. La distance quand il me frappe. Par contre, il y a un truc qui est cool, je sais pas si vous avez vu. C'est que... Attendez. Ah, dommage. Il y a un truc qui est cool, j'avais envie de dire. C'est que... Vu que je suis tout petit, la plupart des coups qu'il me met passent en dessous. Et ça, c'est vachement bien. Au final, je risque de gagner parce que mon personnage va bien contre Whis. Enfin, je sais pas s'il va bien, mais vous avez compris ce que je voulais dire, en tout cas. En tout cas, GG à lui, parce que d'une, il est fair play, et ça, j'aime beaucoup les joueurs qui sont fair play. Et en plus, il joue très bien. Ah, putain, sa mère. Ah, comme vous pouvez voir, là, si je me prends son ulti, je suis mort de chez mort.
Ah bah... Voilà, je l'ai pris. Temps écoulé. Ah merde. Ah dommage. Ça c'est chiant quand même. 3 minutes de temps, c'est pas assez je trouve pour les combats. Bon bah en tout cas, bien joué à lui. Il m'a battu méchamment. J'ai fait de mon mieux avec petit Trunks et Goten. Allez, c'est son dernier combat. Il a pris Goku dans sa forme, comme vous pouvez voir, Super Saiyan Divin. Moi, du coup, j'ai pris Gogeta Super Saiyan 4. Enfin, il n'est pas en forme Super Saiyan Divin, mais il est en forme de Guy de Whis, comme vous pouvez voir. D'entraînement des dieux. Donc là, logiquement, on devrait avoir un beau combat. Il gère grave. Waouh, ce qu'il m'a mis. Putain, je pensais m'être téléporté en plus. Et c'est pas le cas. Non, non, non. Ah, la caméra de merde, je vous jure. Ah, dommage. Dommage. J'ai relâché parce que je pensais qu'il allait me mettre un coup. Il est super rapide, Gogeta Super Saiyan 4. Et ça, c'est vraiment un plus, je trouve. Ah, comment ça, je l'ai pas eu? Comment ça, je l'ai pas eu deux fois de suite? Ça, c'est ouf. Oh, le super bloc. Alors que j'ai même pas terminé le stamina break. C'est ça, les petits problèmes, je trouve, de connexion, comme je vous ai dit. Bah, comme vous avez pu voir, en fait, j'ai même pas eu le temps de terminer mon stamina break sur mon écran qui m'avait perfect block déjà mon attaque. Et du coup, ça m'a derrière, pété l'endurance. Ok, dommage, je l'ai pas eu. J'aurais essayé. Allez. Oh putain, encore une fois. Regardez son endurance, regardez la mienne. Et mon stamina break n'est pas passé correctement. Putain. Ah, joli. Il est vraiment bon le mec en face, très très bon. Très très bon, et j'aurais bien aimé le combattre en fait sur une connexion locale quoi. Parce que c'est vrai qu'on m'avait dit dans les commentaires, je dois rager un peu avec ma connexion. Je rage pas forcément, mais je trouve dommage parce que je peux pas combattre à 100% quoi. J'ai des petits bugs comme ça, retardement, et c'est vrai que c'est gênant. Ok, de retour à Cotton City. Les trois derniers combats étaient plutôt cool. Vraiment sympa, le mec était vraiment bon en face et fair play, ça faisait plaisir. J'aurais bien aimé l'affronter sur un combat local et pas online, parce que franchement, la connexion, c'est vrai qu'elle était quand même bien dégueulasse. J'aurais sûrement perdu en combat local, parce que il maîtrisait parfaitement bien le perfect block, ce qui n'est pas le cas pour moi. Mais ça aurait été sûrement plus serré et beaucoup plus beau à regarder, sans déconner. Enfin bref. Les combats sont sympas, il y a beaucoup de gens bien, je trouve, sur le mode online de Xenoverse 2. Et ça change énormément du Xenoverse 1 qui était pourri par les mecs qui jouaient n'importe comment. Et c'est cool quoi, c'est vraiment dommage que je puisse pas en profiter un max. Mais bon, demain, comme je disais, je serai dispo pour vous, donc entre 17h et 19h. Demain, c'est dimanche 5. Et le dimanche de la semaine prochaine, le 12 si je me trompe pas, du coup, faudra vérifier. On fera, si vous voulez, des quêtes parallèles online, donc je créerai des salles sur les quêtes parallèles online et vous pourrez me rejoindre pour faire des quêtes avec moi. Voilà, donc demain, dimanche 5, combat online entre 17h et 19h et dimanche 12, quête parallèle online entre 17h et 19h. Voilà. Allez, on va cesser. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à liker, partager, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très très vite pour de futures vidéos. Et ciao ciao. Contento no minasan, gokinen yo. Tadaima o motte anata gata no miyaku wa waga Frieza gun no shihaika ni haerimasu. Iya to wa iwasemasen yo. Oh, 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 oh.